Je suis l'amant de la femme de Xavier Bertrand. C'est ouf, non? Mme Bertrand n'est pas évidemment d'une beauté évidente. Sa beauté est rugueuse. Mais Mme Bertrand, c'est être généreuse. Valeureuse capitaine, je pilote ma barre, bois mon filtre d'amour, en fais des bulles. Madame en mode... Je vois pas ton pantalon. Malabar. Au domicile du couple, défilent les amuseurs, les petites et les grosses chatouillent notre hôtesse. On se partage la délaissée. Comment fait donc Xavier pour bouder ses plaisirs? Xavier est trop confiant et ça le perd. D'ailleurs, Xavier n'est pas vraiment le père. Je suis l'amant du postérieur de la future première dame. Je rentre dans l'histoire par des vases et des viens. Madame fait le lama, c'est elle qui arrose. Je ne crache pas sur l'histoire. C'est elle qui m'inonde. Mme Bertrand et Fontaine, je me touche à son aisselle. Comment fait donc Xavier pour bouder ses plaisirs? Madame, ce prénom, tu vas rire? Emmanuel, conseillère, je te le donne en mille, en ressources humaines. Manu est blonde un peu partout, je te confirme. Comment fait donc Xavier pour bouder ses plaisirs? Xavier n'a pas le temps à trop jouer les is no good, Xavier dindon de la farce, pendant qu'on se farcit Manu. Il y a morale à cette histoire, qu'à trop délaisser une châtelaine, des âmes généreuses réveillent leur altruisme. Mais une question reste en suspens, pendant qu'à Manu on se pend. Comment fait donc Xavier pour bouder ses